peux parler, je crois, enfin, en notre nom, même si Constance va s'exprimer bien sûr après. On est toujours très heureuse et très émue de présenter ce film ensemble. Et merci encore au festival Premier Plan, à Claude Éric et à toute l'équipe d'Angers de m'avoir invité, et notamment pour cette rétrospective. Et effectivement, merci aussi à Angers et à Prélude d'avoir restauré ce film. J'ai donc été obligée de faire ce que je ne fais jamais, c'est-à-dire de revoir ce film. Je ne revois pas mes films, je revois le début, la fin quand je les présente, mais je ne les revois jamais en entier. Ça n'a rien à voir avec un quelconque désamour, mais plutôt avec, au contraire, avec un excès de rapport affectif avec mes films qui fait que je préfère en garder le souvenir intérieur. Et en fait, si je mentionne là, c'est parce que, à vrai dire, j'étais quand même très très heureuse en fait, et très émue de le revoir, et j'ai retrouvé intact les émotions qui m'avaient portée quand j'ai écrit ce film, mais surtout les émotions à filmer ces comédiens, Paul Blin et Constance évidemment, et tous les autres acteurs du film. Je reste donc très très attachée à ce film, et ce qui m'a frappée aussi en le revoyant, même troublée, c'est à quel point tout ce qui est, comment dire, tout ce que j'ai fait après, j'ai l'impression d'une certaine façon était en germe dans ce film. J'ai l'impression que ce film porte d'une façon ou d'une autre un peu tous les leitmotifs et les thèmes que j'ai pu développer après dans d'autres films. Même si je les ai peut-être abordés différemment, mais voilà, c'était un peu vertigineux pour moi de voir ce film et de me rendre compte que finalement tout était déjà là. Voilà, je vais passer, j'espère que le film vous plaira, et je passe la parole à Constance. Bonsoir. Effectivement, moi aussi je suis toujours très émue de présenter le film avec Mia et de voir autant de gens dans une salle pour voir ce film qui est sorti il y a 16 ans, 17 ans. Et moi aussi je suis infiniment attachée à ce film. C'était pour moi aussi le premier en tant que comédienne. Et celui qui a déterminé, je pense, tous mes choix de cinéma après. Mia et moi, on était très jeunes quand on s'est rencontrés. Et Mia est une sœur, une mère de cinéma. Enfin, quand la barre est très très haute, c'est compliqué après de enfin, du coup, voilà, tout a été déterminé par la chance que j'ai eue de commencer avec ton film. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de faire partie de et d'avoir contribué à ton œuvre. Voilà. Merci Mia pour toute cette semaine passée parmi nous. Ce soir, donc, seront révélés les prix remis par Mia et son jury. Très bien. Merci encore.